Entre eux, si est-il une affaire de famille. Après avoir brillé dans le rôle de la chef Clotilde Armand dans Ici tout commence sur TF1, la chanteuse se prépare à une nouvelle aventure avec la série Les Randonneuses, diffusée ce soir, lundi 29 mai, sur TF1. Mais l'actrice peut aussi se vanter du parcours de son fils unique, Luigi Croner. Regarde braise perçant, teint hâlé et les cheveux châtains, le jeune homme de 28 ressemble comme deux gouttes d'eau à sa maman, comédienne et célèbre interprète de Ten Baba. D'ailleurs, ce dernier, très actif sur les réseaux sociaux, marche sur les pas de l'ex-compagne de Vicente Lizarazu et a notamment fait ses premiers pas au grand écran dans le film J'irai où tu iras de Géraldine Nakache en 2019. Lors du tournage de la série Canal Plus Brie, à l'été dernier, l'acteur avait dévoilé un cliché de lui dans la peau de son personnage, Kylian Perez. Maman Gaga, Elsa Launeghini n'avait pas manqué d'envoyer tout son soutien dans la section des commentaires. Aussi beau que sa mère. De quoi en être fier, il est beau comme sa maman, peut-on régulièrement lire sous ses publications. Le jeune comédien est également un grand amateur de kickboxing, Muay Thai et fitness, si l'on en croit sa biographie sur Instagram. Luigi Croner est un aficionado des sports de combat. Supérieur à Elsa Lunoghini triomphante et Romane Boringer très sexy à la clôture du festival d'Angoulême. Luigi Croner, fils d'Elsa Lunoghini, champion de France je ne vais plus voir ses combats depuis qu'il est ado, avait confié sa maman dans les colonnes de Télé Loisirs. Mes rêves se portent sur mon fils Luigi. J'aspire à ce qu'il ait la vie qu'il souhaite. Qu'il soit heureux dans son métier. Le sport, la boxe, son dada. En 2010, Luigi Croner a remporté le titre de champion de France d'un sport de combat grec nommé Pancras. Peu de temps avant, le fils d'Elsa Lunghini a notamment été sacré champion de France de kickboxing. Pour ses 28 ans, le fils du musicien Peter Croner se consacre plus que jamais à sa passion pour le cinéma. Crédit photo, Koadik Girek.